Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Allez, première mi-temps. Allez, on revient avec, ouais, avec les belles images de David. Merci David pour ce zoom, c'est super. Et première pénalité. Dès la première le minute sac, de non, jeu. Non, vous, c'est bon. Le 5 noir qui est en jeu. 5 noir en jeu, c'est clair. Et ça passe. Mais là, c'est disputé. Il y a une belle bagarre. Hein. Avantage hors jeu bleu. Il y aura un avantage en plus pour hors jeu. Il y a un avantage, mais pas pour. Hein. Toujours avantage. Hein. On revient ici, la ligne, toute la ligne hors jeu. Toute la ligne bleue hors jeu, comme le dit monsieur l'arbitre. Toute la ligne bleue hors jeu. Attention, coup de pied donc de Romain Lombard et une formalité pour lui. Et touche gagnée par les Nuitons. Oh là. Et on enchaîne. Balle gardée, oui. Par Tanguy Le Guen. Ah, j'ai vu. Ouh. Ah, ah là là. Pénalité pour hors-jeu, heureusement, parce que l'ailier Lilian Camara était parti. Beau mouvement de, en première main de nuit, qui va peut-être prendre les points pour scorer. Les points. Trois points de plus. Oui, qui a l'avantage super numérique en mêlée, oui, qui pousse. Et oui. N'empêche. Et c'est. C'est être pragmatique. Absolument, de Louis de Bonjour. Chartrain, pardon. Et transformé par Romain Lombard, qui se fait pas prier. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Une touche à suivre pour Chartres. Bien défendu, Nuit qui refuse d'aller faire ses balles. Capacité, ouais, qui essaie de se faufiler, mais qui est chassé par les Nuitons. Théo Blanc qui écarte. Avec le capitaine. Choc de titan avec Raloulou. Ouais. On a toujours un avantage. Cabassissé chassé encore. Par Nui et fais-le. Almeida. Le capitaine Nacho. Avec son ailier là. Ouh, quel plaquage encore. Le contest est bon, on revient sur la pénalité là-bas. Voilà, c'est bon. Voilà, le... Et ça passe. Et ça passe. 13-6. Allez. Coup pied court. Est-ce qu'il a fait 10 mètres? 10 mètres. Oui. Ça a fait 10 mètres. Garde là, garde là, garde là. Tanguy Le Guen qui porte les ballons. Non, non, non. Et voilà. Vous lâchez pas bleu. Vous l'amenez au sol, faut lâcher. Il doit lâcher d'abord avant de pouvoir y aller. Même si l'autre est bien sur le côté. D'abord c'est lui. Et voilà, 16-6, la réponse. Donc il y a peut-être un peu de frustration, mais l'arbitre qui commence à être de moins en moins patient. Touche, ouais. Gagné, non sans difficulté, mais gagné quand même. Et lui pareil qui comme je le disais en première mi-temps qui se trompe un peu de zone de terrain et qui vient attaquer dans le mur de Chartres et là où ils sont le plus forts. Donc on sait qu'ils ont des bons gratteurs, on sait que c'est solide autour des regroupements, mais on n'essaye pas de décaler un peu ces zones d'impact, donc pénalité pour Chartres. Erreur stratégique. Eh oui, le buteur qui se fait pas prier. Allez, coup de pied. Oh. Oh pardon, excuse-moi, pardon. Guillaume Bonne encore. On a quelqu'un qui filme devant nous. Non, derrière. Guillaume Bonne, fort sous les ballons hauts comme d'habitude. Non, jeu. Là, jeu.
public Nuiton qui se réveille un peu. Ouais. Qui a vu, qui aurait aimé que ce geste soit sanctionné. La cage, elle sort bleu. Nuit encore qui s'obstine à aller. Plaquage. Ouais, il est disponible, c'est bon, parfait. Merci bleu. Avantage. J'ai vu. Indiscipline encore. Non, on attend. On attend. On est là, 16 bleus. Les points. 3 points. 3 points cadeau encore. Facile. Lié. Jeu. Et là en mêlée, ça y est, on retrouve la domination Chartreuse et Nuiton. Votre pilier passe en dessous et lève. Voilà. C'est mis en confiance. 3 points supplémentaires. Failli être contré par Guillaume Baud. Gros impact. Kevin Boudot. Avantage, j'ai vu, avantage. Avantage, j'ai vu, je. Attends. Et là, apparemment, et l'arbitre qui a vu quelque chose. Ouais. C'est mon numéro 9. En mi-temps, je lui ai dit, j'ai mis 3 cartons jaunes, d'accord. Oui. Là, il y a un plaquage de l'épaule de votre 25, d'accord. Attendez, laisse-moi finir. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de violence. Ça fait une simple pénalité. Par contre, c'est la deuxième fois. Et c'est la cinquième faute de GDOM en tout dans le match. Il faut vraiment dire à vos joueurs de vous discipliner, sinon je vais devoir continuer. D'accord. Je peux compter sur vous. Merci, on reviendra là. Pénalité contre le 25. Ça risque de leur coûter très cher et d'être rédhibitoire. La réussite d'Hugo Génieux. Eh oui, Hugo Génieux qui va faire du bien. 22 à 12. Bien capté par le 19. Elano Alberto. Ah, quoi, c'est bon ? Non. Ah, avantage, ouais. Encore une pénalité. Peut-être que l'arbitre va sévir juste après. Il y a un avantage, neuf. Et attention, on est à 5 mètres de la ligne mi-tonne. On lâche. Est-ce que ça s'en laisse ? Essai, c'est le dernier, il est pas lié. Pour les Chartrais. Le coéquipier est pas lié derrière, donc lui c'est le dernier qui peut prendre la balle, y a pas de problème. 18 il me semble. Une fin de match assez tendue. Donc ouais, Chartres qui revient à... C'est fini. Victoire Nuiton. 2 à 40. Merci, notre capitaine. Très bien. J'entends pas.